Bienvenue sur Blue Milord Ministries et merci de nous suivre sur Instagram, sur YouTube et sur notre site internet www.bluemilordministries.com. Et puis aujourd'hui, on va parler de ce qu'on entend souvent. Ah, le mariage m'a détruit. Le mariage m'a détruite. Ah, cette relation-là m'a blessée, etc. Enfin, tu vois un peu ce que je veux dire. Mais en réalité, le mariage en lui-même n'a jamais tué quelqu'un. Je veux dire, c'est pas une arme visible en tant que telle qui va venir et en finir avec quelqu'un. Le couteau, les armes, en elles-mêmes, n'ont jamais tué quelqu'un. Mais comment est-ce qu'on entend que le mariage tue, le couteau tue, le fusil tue, cette relation tue, cette relation l'a tué, etc. Ce ne sont pas ses armes en tant que telles, non. C'est l'être humain qui fait usage de ces outils, que ce soit le mariage, que ce soit une relation d'amitié, que ce soit le couteau en lui-même, ou quelconque autre outil tranchant. C'est l'être humain lui-même, derrière ces outils, c'est l'être humain qui fait usage de ses outils, de ses ressources. C'est lui dont le cœur est redoutable. C'est lui dont le cœur est méchant. C'est l'être humain derrière ses outils, derrière ses ressources. C'est lui qui soit tue ou soit fait vivre. Donc la vérité ici, c'est l'homme, l'être humain. C'est le cœur de l'homme. De cette même manière que d'autres rentrent dans le mariage et ils voient, ils sont témoins de leur éclosion. De même que d'autres rentrent dans des amitiés et ils se voient évoluer l'un et l'autre. De même que d'autres utilisent les outils tels que le couteau et tout autre outil tranchant pour cuisiner, confectionner des plats qui réjouissent leur famille, qui réjouissent leur communauté. De même que d'autres personnes utilisent des armes à feu pour chasser, par exemple, pour approvisionner leur communauté en, je sais pas moi, en dinde, en biche, par exemple, pour que les uns et les autres, les familles mangent. D'autres êtres humains utilisent ces mêmes outils-là à mauvais escient. Donc l'arme la plus redoutable, c'est le cœur de l'homme, le cœur de l'être humain. Et comme la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Si ce n'est pas Dieu, qui peut le connaître? C'est pour ça qu'on a tous besoin. On a tous besoin de se soumettre à l'Esprit de Dieu qui va nous apprivoiser, qui va nous sanctifier, qui va nous guider dans la lumière, la vérité, la bonté, la seule solution. Quand tu entends ce que l'être humain même dit d'un autre être humain, quand tu entends les paroles qu'on prononce aux personnes soi-disant qu'on a aimées ou qu'on aime. C'est tout comme des meurtres que l'on commet. Si on voit, si on entend les paroles, les pensées, les attitudes nocives, négatives qu'on a vis-à-vis d'un autre être humain, c'est sadique. C'est méchant, c'est dangereux. Et voici pourquoi l'être humain a besoin du Sauveur, a besoin de se prosterner, de soumettre son cœur à celui-là qui est l'épitome de la bonté, pour que ce cœur soit éduqué à faire le bon, le bienséant. Nous avons besoin de nourrir nos cœurs
de bonnes choses. Ce n'est pas les relations qui amènent à la dépression, qui amènent aux soucis, qui amènent au stress, qui amènent à la mort. Ce ne sont pas les mariages. Ce ne sont pas, en tant que tel, quelconque autre outil à risque. Justement, ces outils sont à risque, dépendamment, bien évidemment, de la main dans laquelle ils tombent. Donc, le danger ici, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qu'il faut redouter. C'est l'homme qui est actionnaire. C'est l'homme qui est actif. C'est l'homme qui est agent, qui fait usage et qui est initiateur ou participant à ces choses-là, ou de ces choses-là. C'est de nous remettre en cause, que tu sois homme, femme, parent, enfant, employeur, employé, quel que soit en fait nos titres, nous sommes appelés à nous laisser apprivoiser par le Seigneur pour une vie meilleure, non seulement la nôtre, mais également pour celle des autres. Car un jour, on rendra compte, tous nous rendrons compte. Repentons-nous, changeons nos cœurs, changeons les directions dans lesquelles nos cœurs sont pour nous laisser attirer, pour nous focaliser sur le bon, le bien, l'humilité, la bonté, la vérité.